What? Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky Factory 2. Ça fait plaisir de vous retrouver dans cette partie modée. Et cette fois-ci, nous ne sommes pas en compagnie de Deadpool, hein, mais en compagnie du fanboy de Deadpool avec le t-shirt Deadpool. Hein, bon, super bien fait, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc, on s'était arrêté après la création de l'Oaxiv. Et j'ai eu quelques astuces. Hein, donc, la bonne mille, apparemment, elle ne sert à rien. Enfin, pour l'instant, mais comme c'est de la triche, on va la jeter. Hop là! Au revoir, bonne mille! Au revoir! J'en pleure déjà. Et donc, d'après une info que j'ai eue en commentaire, de la part de Valérie Gagné, donc on pose, et normalement, en faisant du twerk, hein, c'est elle qui m'a proposé de faire du twerk, donc on va voir ça, ça devrait faire pousser l'arbre. Et à part les touches rémanentes, ça m'a rien fait pousser. D'accord, bon. On va voir en étant dessus. Bon, ça ne marche pas. En tout cas... ce n'est pas... gagné. Bon, voilà, c'était la blague de merde. En tout cas, ça n'a pas l'air de marcher. C'est dommage. Je trouvais l'idée bonne. Pousse! Pousse! Bon, enfin, bref, c'est pas très grave. De toute façon, on a tout ce qu'il nous faut, je pense. Alors, on s'en était... Où c'est qu'on était arrêté? Là, là, là. Craft sieve, donc ça c'est fait. Collect rainwater in oak barrel. D'accord. Ah, on a de la terre déjà. Bon, c'est déjà bien. Ensuite, donc on doit attendre qu'il pleuve. Alors attendons. Non, je déconne, on va pas attendre. Bon, n'importe quoi. Alors, ok. Bon, bah, on va passer à la suivante. Hein. On va attendre qu'il pleuve un autre jour. Craft cobblestone from the small stones that drop from sifting dirt. Donc, fabrique de la cobblestone avec des petites pierres qu'on drop... D'accord, donc on drop en sûrement en mettant la terre ici. Eh bien, on va essayer. Hello. Ah d'accord, faut appuyer. Ok, empty. Ah, et donc j'ai eu de la stone. Alors, voyons voir comment on fait de la cobblestone. Il en faut 4 et j'en ai 3, donc je vais gaspiller ma dernière terre. Hein, c'est pas grave, au moins je vais avoir la cobblestone qu'il faut. Et j'en ai 8, oh putain, j'en ai eu de quoi en faire 2, bah c'est nickel, écoutez, hein, on va en faire 2. Cobblestone. Donc, craft cobblestone, ça c'est fait. Use the hammer to turn cobble into gravel, gravel into sand. Donc, utilise le marteau, donc il va falloir faire un marteau pour faire, pour transformer la cobble en gravier, le gravier en sable et le sable en dust, je sais plus ce que c'est. Bon, enfin bref... Donc, comment on fait un hammer? Le marteau. Tout, 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 tout. C'est ça, là? Carpenter's hammer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça doit être un truc ici. Sûrement en bois. Ah ah! Wooden hammer. Deux wood planks et deux sticks. Ah, bah, ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. Hop. Hop, hop. Hop, et nous avons notre wooden hammer. Donc je pense qu'il faut poser le... Il faut poser le bloc. D'accord, c'est pas comme ça. Alors on va essayer de le casser. Ah ah, du gravier! Le gravier qu'on va transformer
en sable. Tada! C'est magique. C'est magique. Le sable en dust. Ok. Ok. Donc ça, c'est fait. Allons sélectionner l'objectif. Sift, gravel, sand and dust. D'accord, donc il va m'en falloir 3 en fait. Et j'en ai que 2. J'en ai que 2. Donc il va falloir que je fasse pousser l'arbre. Donc je vais devoir recraft. Enfin, recraft par magie de la bonne mille. Ou non, même pas. On va faire pop des mobs. Parce que il va falloir le faire tôt ou tard, hein, de toute façon. Alors. Bon, déjà, je vais transformer ça en gravier. Et on va mettre le dust ici. Hop, 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 Powdered iron ore. Nickel! Ah, et j'ai eu autre chose. Skystone dust. Je sais pas à quoi ça sert pour l'instant, mais on verra plus tard. Hein. Ça servira bien tôt ou tard. Broken Tine Ore et forcément du Flint. Ok, nickel. Nickel, nickel. Et donc je vais. Eh ben c'est parti pour faire. Oh, je sais pas si j'aurai assez en fait. On va essayer de faire pop des mobs. Hein, écoutez. Je vais faire comme je peux et je vous retrouve après. Ah, alors voilà. Et bon, nous voilà ici, hein, de retour. Alors, avec une zone de monstres pas très sécurisée, mais bon, ça va faire l'affaire pour l'instant. Voilà. Bon, finalement, j'ai dû faire de toute façon. Hop, allez, ça, on peut jeter maintenant. On n'en aura plus besoin, ou du moins, on pourra le récupérer. Alors, bon, je suis désolé, hein, j'ai toujours pas réussi à faire pousser l'oaxapline de la façon dont on m'a dit. La personne qui se reconnaîtra sera sûrement dingue devant son ordi. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, purée! Mais non, désolé, je ne vois pas. Franchement, j'ai réussi une ou deux fois, mais je ne sais toujours pas comment. Donc bon, bah, c'est pas grave, hein, on va faire sans. On va faire sans. Alors, où nous en étions? Donc j'ai ma sapline. Hein, sapline, hop là, 62. Ouais, voilà, largement assez de quoi faire. De quoi remplir mon Noack Baril. Hop, 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 hop. Voilà. On va attendre que ça composte. Je vais peut-être en faire un deuxième, du coup. Alors, comment c'était déjà? Non, j'en ai plein, donc ça sert à rien. Hop. On va récupérer ça. Voilà. Donc, si je me souviens bien, c'était hop. Je vais en faire deux. Voilà. Nickel. Oui, donc ça c'était bon. Par contre, ouais. Je vais les mettre en dessous. Hop, là, on récupère ça. On récupère ça. Éthique, éthique. Voilà, ça sera plus accessible, on va dire. Salut mon petit zombie. Bah alors, on s'est perdu? Hein? Donne-moi ta rotaine flèche, merci. Alors ça, on va en remplir un autre d'oaxapline et l'autre, on va le laisser comme ça, au cas où il pleut, on sait jamais. J'ai désactivé les nuages, mais il y a plein de nuages, donc je sais pas si on va pas pouvoir y avoir accès à un de ces quatre. En tout cas, j'ai de la dirt, je vais le remplir encore une fois. J'aurais peut-être dû le casser, bon c'est pas grave, on le fera après. Donc j'ai de la dirt. Alors. À partir de la dirt, on va pouvoir avoir de nouveaux cailloux. Et j'en ai eu 4, parfait. Tout ce qu'il me fallait. Voilà. What? What? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est Vadus, t'es qui? Crève! Pourquoi il y avait un joueur? What the fuck? Ce jeu commence à me faire peur.
Donc on va casser ça. Hop. On avait dit le gravier, c'était fait. Et le sable, c'était pas fait par contre. Donc on va faire le sable. Je ne sais pas pourquoi il y avait un Kevin, hein. Ça me perturbe. Certus Quartz Crystal. C'est tout ce que j'ai eu? Ok, alors, mission accomplie. Ta-da-da-da-da. Make Tinker Construct Tool from Bone Sor Flint. Et j'ai pas eu de squelette qui a popé là. Donc Tinker Construct, eh ben putain, ça y est, c'est parti là. Ça va être les grosses constructions. Alors, Tinker Construct, voyons voir un peu. Tutut. Alors, Tinker Construct, il va me falloir un. Voilà, les Tool Station. Ça va que je connais encore un petit peu parce que j'ai aucun autre élément. Hein. Donc oui, donc on va commencer par la Tool Station. Crafty Station plus Blank Pattern. Alors si je me souviens bien, ça c'est bon. Et ça, c'est à partir d'une crafting table. Nickel! Alors, une crafting table, voilà, ça c'est fait. Hop. Switch. What? Ça fait les mêmes. Ok. Écoute, j'ai le choix, mais je vais choisir celui-là. Hein. Le premier sera le bon. Et on va le poser ici, voilà. Aucun respect, une table de craft au-dessus d'une table de craft. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est peut-être pas un bon choix. Je vais le crafter ailleurs. Voilà. Je vais mettre ça ici. Je vais agrandir un peu la plateforme. Bon, ça sera un monde en bois. Écoutez, Pinocchio n'aura qu'à bien se tenir. Il veut devenir un vrai petit garçon. Moi, je veux que mon monde ne devienne un vrai monde. Et pour l'instant, ce n'est loin d'être le cas. Allez, on va le mettre là, voilà, comme ça, parce que de toute façon, je vais devoir faire plein de trucs. La crafting table, ça c'est bon, et il me faut. Ah, mais je suis con ou quoi? Mais oui, je suis con! Mais oui, c'est clair! Faut que je le garde avec sur moi. Donc, blank pattern, il me faut. Hop, hop, et ça va m'en faire 4. Voilà, nickel. Oui, achievement get, Stencil Walker! Pour faire la Stool Station. Et j'ai eu un livre. Le livre de Tinker Construct. Hein. Matériel. Ouais, bon, ok. On va le garder, je vais en avoir besoin. Donc, on va poser la Tool Station. Voilà. Et alors, voyons voir un peu. Parce que je ne me rappelle plus du tout. Hein. Ah oui, voilà. Et. Oui, pour faire ça, il va me falloir, hein, comme vous pouvez le voir, voilà, il va me falloir un haut de pioche, une croix pour maintenir les deux et le bâton. La pelle, c'est ça. Ouais, ok, nickel. Nickel, nickel. Alors, par contre, je ne sais pas avec quoi on va faire ça. J'en ai strictement aucune idée. D'ailleurs, là, j'ai de la terre. Voilà. Je vais descendre ça. On va mettre masse sapling dedans. Hop, 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 parce qu'il va me falloir masse terre. Donc nickel. Va falloir que je garde un peu de sapling quand même. Ah oui, j'ai fait un coffre, hein, parce que évidemment, bah, j'ai peur. Ah, Tinker Weaponry. Javeling. Ouais, ok, on verra ça plus tard. Oui, donc j'avais peur de perdre un peu tout, de tomber. Hein. Un accident est vite arrivé. Donc, protégez-vous. Alors, comment je peux faire ça? Tool Forge, Tool Station. Ouais, ok. Alors, ils m'ont dit, Make Tinker, Tool from Bone or Flint. Donc, il va me falloir du Flint en masse. Et pour ça, ouais.
On va casser des trucs. Il va me falloir masse caillou. Enfin, masse flint, du coup. What? Un gland. D'accord. Oh, j'ai pu... Ah, mais ça me fait un wax sapling. T'es sérieux, là? T'es sérieux? Un gland, ça me fait un wax sapling. Ok, bon, bah, écoute. C'est bien, hein. Bah oui, enfin, forcément, en même temps, c'est... un gland qui fait un chêne, c'est pas si étonnant que ça. Bon, 22, il m'en reste encore assez. Voilà, ça va vite, de toute façon. Mais je vais en avoir besoin. Bon, par contre, 7, après, j'en aurai plus. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Ok, ça, c'est bon. Pumpkin seed! Et de la seed! Ah, c'est énorme! Je vais pouvoir manger quelque chose de sain. Enfin, la pumpkin, peut-être pas, mais au moins les seeds, c'est bien. Du coup, là, j'ai rien. Là, c'est toujours pas prêt. Ok, alors, alors. J'ai quand même de quoi faire 2 stones. C'est pas grand-chose, mais on va faire avec. Où est mon hammer? Voilà, ça me fait un flint et 2 flint. Normalement, hein. J'espère que ça va pas me faire autre chose. Oh, ça a l'air... Ah non, ça ne m'a fait qu'un seul flint. Bon, c'est pas grave. C'est déjà bien. C'est bon? Ah, ça m'a fait du charbon et du lapis. Cool. Cool, cool. Ah, je découvre aussi, hein, moi. Je suis un peu comme vous, voilà. Mais bon, par contre, j'ai eu qu'un seul flint et c'est bien dommage. C'est bien dommage, en sachant que... Bon, je vais un terre, je vais utiliser le terre. Hop. Un seul, c'est deux, c'est bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu? Oh, sugar cane seed. Génial. Génial, génial. Bah ça, à mon avis, je vais devoir le faire assez souvent quand même. Y a pas de musique. Eh oh, et la musique. Donc voilà, un peu de flint. Allez, donne-moi du flint. Qu'est-ce que c'est que ça? Broken Nickel Hort. Bon, pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça va me servir, tout ça. Mais ça me servira sûrement un moment. Là, j'ai de quoi... J'ai peut-être de quoi faire ce qu'il me faut. Non, c'est pas comme ça, d'accord. Alors, je vais faire tout le matériel qui est nécessaire à Tinker Construct. Hein. Comme ça, on sera vite fixé de s'il me faut ou pas. Parce que je ne suis pas sûr. Hop. Alors, il me faut ça, comme ça, je crois. Pour faire la stencil. Et d'ailleurs, il va me falloir du bois, donc... pousse! Petit arbre, pousse! On va poser la stencil ici, voilà. Et avec ça, je peux faire... je peux peut-être faire... Ça, on va voir. Non, je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas, je ne sais pas. Écoutez, c'est pas grave. Il n'a pas marché comme ça. À moins que... Non, ça ne doit pas marcher comme ça. Donc, je ne sais pas comment ça marche. C'est pas grave. Je ne me rappelle plus un petit trou, mais je vais trouver, hein, vous inquiétez pas. Du coup, est-ce qu'il peut y avoir des petits squelettes qui pop là, un peu? Ah ah, il n'y aura pas de squelettes pour moi. Et il pleut pas, hein! Toujours pas de pluie, donc ça, ça se remplit pas. Je suis dans les plaines, donc il devrait pleuvoir. What? C'était quoi ce bruit? Vous l'avez tous entendu? Ça ne m'inspire rien qui vaille. Bon,
On va dire que c'était une illusion sonore. Oui, parce que voilà, c'est c'est sans respect, j'utilise des mots, je mélange tous les mots, rien à foutre. L'araignée là-bas, elle est tranquille. Saute! 1, 2, 3, soleil! T'as perdu! Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre déjà aussi? Matériel and volume 2. Donc ça, c'est fait. Ah oui, j'ai le pattern chest aussi à faire. On va faire le pattern chest. J'ai de quoi faire, hein, de toute façon. J'ai masse plank. Hop. Et le pattern chest, c'est fait. Par contre, il y a un ordre précis à les mettre et c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Hop. Je sais pas si je l'ai perdu ou pas, mais... Oui, je pense que je l'ai pas du tout mis dans le bon ordre, mais bon, c'est pas grave, on remettra plus tard. On va essayer de faire pousser, comme on peut. Retentons la technique! Petit zombie qui vient me dire bonjour. Bonjour, petit zombie! Wouhou! Mais j'aimerais bien que ce soit un squelette en fait qui vienne me dire bonjour. Ça serait cool. Peut-être en étant au-dessus. Pousse! Pousse! Que vois-je? What? Il a un slime sur la tête! Pourquoi? Ah, c'est un chapeau! Donc il y a... Ah ouais, il y a le mode pour mettre les chapeaux! Je vais voir ça, comment on fait. Voilà, alors, j'ai trouvé... Et... Ce magnifique chapeau de slime est sur moi! Magnifique, non? Slime head. Done. Voilà, j'ai un petit chapeau de slime. Wouhou! Un petit slime sur la tête, en compagnie. Voilà, je me sens moins seul maintenant. Vous m'aviez abandonné. Et pourtant, je ne suis pas seul. On n'est pas tout seul. Bon. N'importe quoi. Donc j'ai la compagnie des petits vers, du slime sur la tête, hein, tout est nickel. Et j'arrive toujours pas à faire pousser là. Ah! Ça a marché! Je ne sais pas comment, mais ça a marché! Par contre, ça a fait un putain d'arbre de fou, j'aime pas ça. J'aime pas les gigantesques arbres, c'est... Les arbres géants, c'est trop chiant. Enfin bref, moi, tout ce que je voulais, c'était ça, pour pouvoir faire mon part builder! Wouhou! Part builder que je vais poser ici, hein. Hop. Même si c'est peut-être pas la bonne place, c'est pas grave. Et donc, on a tout ce qu'il faut pour... Ok. On a tout ce qu'il faut pour Tinker Construct. J'ai envie de voir un truc. Je fais tout au feeling. Hein. Rien à foutre. Tant pis. De toute façon, les épisodes, je les fais pour mon plaisir. Et pour le vôtre aussi, hein, évidemment. Mais je veux découvrir le mode assez facile. Assez solo, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc ça, c'est fait. Est-ce que, en utilisant le part builder, comme ça, et du flint ici, monsieur magique, c'est nickel, j'ai ce qu'il me faut.
Donc on va poser ça ici. Est-ce que... Ah, ça marche. Ça marche, ça marche. Donc on va me faire... Je vais faire le... Il me fallait la pelle, je crois, ouais. Et pour l'instant, il me semble que c'est bon. Donc on va poser ça là. Ça, je peux pas le poser, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, il y avait ça. Hop, hop, la pelle. Enfin, le haut de pelle. Flint shovel. Et qu'est-ce qui me manquait? Bon, il n'y a toujours pas de squelette qui a pop, hein, par contre. C'est dommage. C'est pas grave. Pour l'instant, c'est pas très grave. Alors, on avait dit... On avait dit... Tout. Non, c'est pas ça. C'est pas ce livre-là. Voilà. C'était ça. Matok, axe head, tool rod, shovel head. Tool rod. Alors, comment on fait tool rod? Tool rod. Tool rod pattern. D'accord. Bon, je suppose que c'est... ça m'a pas l'air d'être les mêmes, en fait. C'est bizarre. Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça aussi, que c'était pas tous les mêmes. On va voir. Non, pas tout le rodu. Voyons. Bon, il va m'emmerder avec ça. Ok, alors on va essayer. Hein. On va voir. Apparemment, tout le rod... Ah ah! Bah, je vais faire les deux. Écoutez, on va faire les deux. Ah non, tools rod. Et là, tool rod, d'accord. C'est pas grave, de toute façon, je vais sûrement en avoir besoin. Voilà, on met tout dans le pattern chest. On met la tool rod ici avec du flint. Et... Ah non, c'est pas du flint. Du bois. D'accord. Et ça me fait deux wooden tool rod. Ok. Va pour deux wooden tool rod. Et est-ce que je peux faire mon matoc là, je sais pas quoi. Voilà. Hop. Ouais, c'est ça, matoc. Eh, pas mal. Et c'est qu'il a de la mémoire, le petit. Et je fais ma flint matoc. Oui, tu carottes, achievement get. C'est magique. Et on va s'arrêter là, hein. La prochaine fois, on plantera tout ça, on essaiera de continuer les quêtes un peu. Du coup, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir les planter. On va valider notre quête. Make Tinker Construct Tool from Bone or Flint. Et on se dit bisous à tous, bye bye, au prochain épisode.